Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube en français. Je suis Alexandre Soudarev. Nous sommes sur le chantier où la construction du BTOI est en cours. Dans cette vidéo, nous voudrions vous montrer ce qui se passe là, sur le terrain. J'espère d'ailleurs que nos vidéos du chantier vous ont un peu manqué. Ces derniers temps, nous vous avons plutôt parlé d'autres sujets, mais en ce jour, c'est à nouveau le chantier Sauvelmache. Comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant au-dessous de l'entresol du premier étage. Là, l'installation de construction métallique est en cours. Dans un proche avenir, une chape d'égalisation sera effectuée et la pose de carrelage et de linoléum commencera dans les zones prévues. C'est-à-dire qu'il s'agit déjà de la création d'un plancher sur lequel les futurs employés du bureau d'études pourront marcher. Bien sûr, dans un proche avenir, l'installation des cloisons intérieures en elles-mêmes commencera également. À présent, nous allons parcourir le chantier pour voir ce qui a changé ici. Comme vous pouvez le voir, le territoire de l'entreposage temporaire extérieur est déjà presque vide. Cependant, le bâtiment du futur BTOI est vraiment encombré par du matériel que les ouvriers ont cependant déjà commencé à monter. Sur ma droite, vous pouvez voir une vraie pièce, je dirais ainsi. Cette pièce abritera un laboratoire d'essai. Allons-y et voyons à quoi cela ressemble de l'intérieur. Le jour où nous tournons cette vidéo, l'installation des cloisons antérieures est terminée. Bientôt, les ouvriers commenceront à travailler avec le sol qui sera en polymère et diélectrique, ce qui permettra d'améliorer la précision des travaux de mesure notamment. À noter que le sol aura une résistance de très haut niveau. Au-dessus, vous pouvez voir une poutre coulissante pour un treuil qui aidera nos testeurs à installer des équipements spéciaux, des bancs d'essai, mais également des moteurs en test. Et là, derrière la porte, vous entendez un bruit très fort. Le travail est en cours. Il y aura une chambre sans écho. J'espère que vous n'y entendrez plus de bruit aussi fort. Normalement, dans le futur, il y aura un silence absolu dans cette pièce. Bien sûr, on pourrait y entendre le bruit d'un moteur en marche venant de loin, mais il n'y aura pas d'écho, donc le son aura des couleurs complètement différentes. Cependant, je peux supposer également que quelqu'un puisse utiliser cette salle de temps en temps pour tourner une vidéo, par exemple. On verra bien. À présent, on se trouve dans une dépendance sans étage. Ici, vous pouvez voir la porte, le groupe d'entrée et une cuvette permettant de connecter les canalisations. Et à l'extérieur de la fenêtre, où il y a déjà beaucoup de neige, il y a une fosse. À l'intérieur de cette fosse, une dalle a déjà été coulée avec du béton. Maintenant, des travaux de béton plus complexes sont en cours. Il s'agit notamment des cadres de renforcement qui sont installés pour la construction d'un puits. Ce puits servira de commutateur et sera nécessaire pour connecter des systèmes de viabilisation extérieure du terrain. Le travail est en cours, les dalles de la route temporaire ont été démontées comme vous l'avez déjà vu et nous verrons ce que ces travaux nous apporteront avant la fin de l'année. Vous voyez que de plus en plus de cadres métalliques ont déjà été installés. Ce n'est pas seulement le cas de la salle de laboratoire et des zones au-dessous de l'entresol du premier étage.
Il s'avère qu'ils ont déjà été installés dans l'entrepôt aussi. Les ouvriers travaillent vraiment très vite. L'essentiel est de ne pas manquer le moment où nous pourrons filmer la vidéo du montage des cloisons intérieures dans ce secteur-là. On va tâcher y venir tous les jours pour ne pas manquer cela. C'est un mur en béton cellulaire, le fameux mur coupe-feu. Derrière ce mur, c'est déjà le bâtiment administratif et technique. Que se passe-t-il là-bas ? En fait, là, vous pouvez voir l'étape finale de l'installation des cloisons intérieures du premier étage. Cependant, une partie des cloisons n'est pas encore revêtue d'un côté. Des travaux ont déjà commencé sur l'installation des réseaux électriques intérieurs. Des prises, des circuits électriques, le câblage, des systèmes de basse tension et bien plus encore seront installés. Les canalisations pour l'approvisionnement en eau seront également posées. Par conséquent, les ouvriers du bâtiment effectuent à présent tous les travaux préparatoires pour le faire. Que se passe-t-il au deuxième étage? Là aussi, une vraie forêt a déjà grandi avec des cloisons et des cadres montés, et chaque jour, elle devient de plus en plus dense. Comme toute forêt naturelle d'ailleurs. D'autant plus que nous faisons tous les travaux nécessaires, nous soignons notre forêt et contrôlons le processus. Comme je l'ai déjà dit, les travaux de viabilisation du terrain du futur BTOI progressent à un rythme assez élevé. À présent, nous pouvons voir les dalles de la route temporaire qui ont déjà été démontées. Elles sont rangées là-bas. Derrière moi se trouve également la fosse dont nous avons parlé précédemment. Au loin, vous pouvez observer des équipements bleus, ce sont des transformateurs. Ces transformateurs seront bientôt installés à l'intérieur du bâtiment. Pour ce faire, il était nécessaire de préparer notamment un guide temporaire. Maintenant, le gel a durci un peu le sol, il n'y a donc plus de boue, et par conséquent, une grue automobile pourra s'approcher sans problème de cet équipement pour le transférer à l'intérieur du bâtiment. Parallèlement, les ouvriers effectuent des travaux de viabilisation au-delà des limites du site, où une tranchée a déjà été creusée. Nous avons été confrontés à une tâche très intéressante, car lorsque nous nous sommes approchés du point de connexion au système de chauffage central, il s'est avéré que sous l'asphalte se trouvait une dalle en béton. Une dalle assez grande d'ailleurs. Nos ouvriers ont fait face à cette tâche et démonté une partie de cette dalle. Ils ont également effectué des travaux de terrassement et ont contourné les systèmes de viabilisation des terrains de nos voisins. À noter qu'aucune des lignes de communication n'a été endommagée, ce qui est très important. Cela confirme le professionnalisme des ouvriers. À ce jour, un remblayage avec du sable a été effectué, une dalle a été coulée avec du béton, et en ce jour, les ouvriers ont commencé l'installation du coffrage pour les tuyaux. Bientôt, ces travaux seront terminés et nous allons commencer à poser les tuyaux en eux-mêmes. Je pense que ce processus sera difficile mais très intéressant. Et nous allons essayer de vous le montrer. Voilà les travaux qui sont effectués ce jour-là sur le chantier. Au deuxième étage du bâtiment, des travaux sont également en cours. Il s'agit de l'installation des systèmes de drainage de l'eau de pluie, des travaux préparatoires pour la viabilisation du terrain et de beaucoup d'autres tâches également. Merci pour votre attention, suivez nos nouvelles, abonnez-vous à nos ressources, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec vos partenaires. Ce sera très bien si le plus grand nombre possible de personnes puissent savoir quel projet est actuellement en train de se développer dans la Fédération de Russie, notamment dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou, à Alabouchevo. À bientôt.